Hello, everybody. Welcome to our second international online dental training, which we are organizing in French language. I wish everybody success. And as we are lack of French language, I want to pass the words to our dealer in France, Mr. Anceline. So thank you. Yes, Anceline, please. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anceline Compagne, société IMD Group, et nous sommes donc en charge de la distribution de la marque Lasotronics depuis maintenant 5 ans sur le marché français. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons entamer ce module qui va être consacré donc à la biophysique et aux interactions tissulaires. Donc, c'est un module qui est particulièrement important, tout simplement parce qu'il faut, vraiment avoir une vision globale, une vision d'ensemble sur le laser quand on l'utilise, hein, il ne suffit pas de faire des actes, il faut vraiment comprendre toutes les réactions qui a trait à la photothérapie, à l'utilisation de cette technologie révolutionnaire. Voilà, donc je vais demander à tout le monde de bien vouloir vérifier donc, que votre micro et que votre vidéo est bien coupée, qu'il n'y ait pas de parasites hein, durant l'intervention du docteur Bachir. Et voilà, donc je vais laisser la parole donc, à notre intervenant. Le docteur Bachir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anceline. C'est avec un grand plaisir que je retrouve la francophonie en fin de semaine. Je vous dis un grand bonjour, que ce soit à l'Afrique ou à l'Europe. Donc, aujourd'hui, on est réunis sur un thème, sur le thème du laser, mais un thème qui m'est cher à moi, qui est la biophysique. Et comme vous le savez, sans la biophysique, vous ne pouvez pas manipuler vos machines. Quelle que soit la machine, quelle que soit la longueur d'onde. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'en une heure, c'est pas facile de résumer toute la physique quantique ou toute la biophysique, mais je vais essayer de faire de mon mieux, au bout de cette heure-là, de vous faire passer un message, au moins les bases fondamentales qui vont vous aider à manipuler votre machine en toute sécurité. Croyez-moi que ce que je peux partager avec vous aujourd'hui, c'est une seule idée. C'est qu'on est tous cliniciens, donc je n'ai pas à prouver ou à quelqu'un d'autre de prouver ses compétences cliniques. On est tous cliniciens. Mais la biophysique, c'est elle qui va nous aider aujourd'hui à parfaire l'utilisation de ces machines dans nos cabinets. Sans la biophysique, croyez-moi que ce n'est pas possible. Donc, on est clinicien certes, mais on n'est pas biophysicien, on n'est pas physicien. Donc, adapter la biophysique à notre pratique quotidienne, ce n'est pas sorcier. Tout le monde a une courbe d'apprentissage. Aujourd'hui, grâce à Lasotronics, on a cette courbe d'apprentissage qui est progressive. Et donc, avec ces séries-là de modules qu'on a fait, là, on est au deuxième module qui est la biophysique, ça va nous aider de passer au troisième et au quatrième. Donc, c'est très associé. Donc, sans trop tarder, je vais partager mon écran. S'il y a quoi que ce soit enseigné, tu me fais signe. Par contre, j'aimerais bien partager avec vous juste une chose, de bien vouloir et d'avoir l'aimable gentillesse de fermer vos micros, si c'est possible. Parce que des fois, ça me gêne en cours de... Donc, désolé les amis, peut-être que c'est de mon côté ou de la plateforme. Maintenant, on arrive à partager l'écran. Donc, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on va parler de la biophysique. Et quand on parle de la biophysique, c'est la base de ce qui se passe. Donc, on va parler des fondamentaux des lasers. Et les fondamentaux des lasers sont très importants à comprendre pour nous permettre justement de bien manipuler nos machines et de les adapter à nos besoins thérapeutiques. On va parler aussi de l'interaction des lasers avec les tissus. Et les tissus dentaires, j'entends parler tissus mous et tissus durs. Et à la fin, on va parler de tout ce qui est sécurité laser qui est très importante, qui est un chapitre à mon avis important, mais pas très long, mais qui est à considérer aussi dans notre pratique quotidienne. Next, please. Donc, sans parler de la physique quantique, on ne peut pas comprendre la biophysique. Donc, c'est la physique quantique qui est la base de la compréhension de ces phénomènes-là. Donc, quand on parle de laser, c'est un homonyme qui est anglais. Et grâce à ce monsieur-là que vous voyez en haut de la page, qui est Albert Einstein, qui était prix Nobel, qu'on doit notre présence aujourd'hui, ce partage de connaissances. Donc, laser, ça signifie Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Si on fait la traduction, même si ce n'est pas juste, c'est une lumière amplifiée par
émission stimulée. Next, please. Donc, la compréhension de la lumière nous emmène à comprendre la biophysique et précisément les longueurs d'onde. C'est-à-dire que c'est ces longueurs d'onde-là qui vont nous donner le nom du laser qu'on va manipuler. C'est-à-dire, je m'explique, 980, c'est une longueur d'onde. 635, c'est une longueur d'onde. 405, c'est une longueur d'onde. La 810, c'est une longueur d'onde. La 940, c'est une longueur d'onde. On va parler aussi de la vitesse de la lumière, de quelques constantes. C'est ces paramètres-là qui vont nous aider à comprendre la biophysique adaptée à la médecine dentaire. Next, please. Est-ce que l'utilisation des lasers en dentisterie ou en médecine en général elle est nouvelle? Non. L'histoire a commencé depuis 1960 avec Maiman. Et quand vous voyez cette slide-là, vous voyez que depuis 1960, on a attendu jusqu'en 1991 pour voir notre premier laser diode sur le marché grâce à l'industrie. Ce laser-là diode a fait son entrée timide, parce qu'il y avait d'autres lasers, il y avait aussi de la résistance. On ne donnait pas beaucoup d'importance à cette technologie, mais d'autres domaines de la médecine court-circuité un petit peu, ou ils nous ont dépassé par le développement, notamment la dermatologie et l'ophtalmologie et la chirurgie en général. Donc les lasers diodes ont fait encore leur entrée début 2000. Ils se sont développés grâce à l'industrie. Ils sont devenus très accessibles vu leur prix. Et donc aujourd'hui, ces lasers-là sont d'utilité importante dans notre pratique quotidienne. Next, please. Donc, les utilisations ou les applications des lasers sont plusieurs. Par exemple, là, à gauche, en haut, vous voyez une puce à laser diode ou un pointeur qui est utilisé dans les conférences, chez les conférenciers et autres. Donc, ça va de ça. Aux gros lasers qui sont utilisés dans le nucléaire avec une taille qui est exceptionnelle, comme la taille d'un terrain de foot. Donc, vous voyez que l'utilité des lasers, elle n'est pas que médicale, elle est aussi utilisée dans l'industrie. Elle est utilisée aussi dans d'autres domaines que vous allez voir tout de suite. Next, please. Donc, il y a plusieurs lasers. Là, par exemple, les lecteurs CD, DVD que vous avez connus. Donc, ça fonctionne selon le principe biophysique du laser. Vous avez les lecteurs de code à barre que vous trouvez en grande surface et dans le supermarché. Vous avez les pointeurs, vous avez aussi des lasers industriels pour les coupes. Donc, vous voyez que l'utilité du laser, elle est diverse. Il n'y a pas que le domaine médical où cette technologie a fait son entrée. Next, please. L'un des domaines aussi, et malheureux aussi, qui a été développé et qui utilise la technologie laser, c'est le domaine militaire. Le domaine militaire utilise énormément les lasers pour être dans la précision. Donc, pourquoi pas nous, on résiste à utiliser une certaine technologie qui nous amène dans la précision, surtout dans notre geste thérapeutique. C'est pour cette raison-là qu'à mon sens, le laser est devenu un élément incontournable dans notre arsenal thérapeutique. Next, please. Il y a aussi l'utilité des lasers en astronomie. Là, on peut calculer des distances qui sont phénoménales grâce au laser entre la Terre, entre des planètes. Donc, l'utilité des lasers, elle n'est plus à démontrer. Elle est là, elle vit avec nous dans tous les domaines. Donc, les choses sont devenues de plus en plus claires. Next, please. Dans le domaine médical, il y a plusieurs utilisations, il y a plusieurs indications. Comme ici, par exemple, à gauche, en haut, l'utilisation des lasers dans des chirurgies en général, en médecine. Au milieu, c'est pour, par exemple, le blanchiment en dentisterie, la biostimulation. On va parler pendant le dernier webinaire de la biostimulation, qui est un phénomène très, très important dans le domaine de la médecine et précisément le domaine de la médecine dentaire. Dans le domaine d'ophtalmologie, le laser, il a fait son entrée depuis longtemps.
et c'est plus à prouver. Donc les ophtalmos aujourd'hui, ils opèrent sous laser, ils font des merveilles, ils ont des résultats spectaculaires et donc ils ont des résultats qui avec leurs patients, avec un certain arsenal qui leur permet d'éviter en quelque sorte des chirurgies beaucoup plus lourdes et qui sont moins prévisibles. Il y a aussi les dermatos et les plasticiens qui utilisent les lasers pour enlever les tatouages. Comme vous le savez, les tatouages, c'est très très compliqué à enlever. Vous n'allez pas enlever un bout de chair ou de peau pour éliminer le tatouage d'une personne. Là, aujourd'hui, grâce au laser, et vous allez le comprendre, grâce à la biophysique, comment on l'enlève, parce que c'est ça la question, comment on va l'enlever. Parce que là, vous avez des couleurs, plusieurs couleurs, sans endommager les structures sous-jacentes, et surtout ici, et surtout si le tatouage est dans des zones qui sont très, très sensibles, et des fois, c'est dans des zones très sensibles qu'on se permet de faire des tatouages. Et grâce à cette technologie laser, au jour d'aujourd'hui, on peut les enlever en toute sécurité. Next, please. Alors, est-ce que le fonctionnement du laser est difficile? C'est la question qui se pose toujours chez les praticiens. Dès qu'on propose à un praticien de passer à la technologie laser, c'est sûr que c'est la première question qu'il va vous poser. Est-ce que le fonctionnement du laser est difficile? Non, il n'est pas difficile. C'est comme toutes les machines que vous avez dans votre cabinet. Si vous achetez peut-être un scan aujourd'hui optique pour faire des empreintes optiques, il est beaucoup plus compliqué qu'utiliser un laser, parce que ça va faire appel à d'autres technologies. Un cone beam aussi, il faut le comprendre. Une piezo, il faut la comprendre. Donc, le laser aussi, il faut le comprendre. Mais ce n'est pas sorcier, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit juste de ne pas brûler les étapes et d'aller step by step dans votre démarche d'apprentissage. Rien n'est facile, mais rien n'est difficile aussi. Donc, aujourd'hui, la courbe d'apprentissage, elle est progressive. Et vous avez tous les moyens pour comprendre comment fonctionne cette technologie-là. Next, please. Là, on va voir, par exemple, cette fillette-là. Ce n'est pas une vidéo, c'est une vidéo qui m'a été donnée gentiment. Donc, quand on voit, par exemple, comment ça coupe ce laser diode, you can go forward, please. Yes, thank you. Donc, vous pouvez faire des coupes comme vous voulez. Ça coupe de cette manière-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on va donner un laser à un enfant. Ça, c'est clair. Ça, c'est juste pour vous montrer que l'utilisation, certes, elle est facile techniquement, mais physiquement, il y a autre chose. Là, vous voyez une fibre laser en action, avec un joli cœur. Vous voyez un petit peu tous les effets qu'on souhaitait en interagissant avec les tissus mous, à savoir la carbonisation, qui vous voyez en noir et tout. Donc, cette utilisation-là, elle est certes aujourd'hui sur une pièce anatomique qui ne parle pas, qui n'est pas vivante, mais sur le vivant, c'est autre chose. Donc, il faut faire très attention. Next, please. Là, je vais vous montrer exprès cette vidéo là d'un autre laser d'une autre longueur d'onde. C'est juste pour vous montrer comment il coupe anatomiquement ici. Et si on lui change un tout petit peu les paramètres et on approche l'aspiration de ce laser là, la coupe va changer. Donc ça réduit un petit peu la coagulation entre les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous changez un des paramètres, l'effet de coupe change. Et ça, c'est très important. C'est pour cette raison-là que je la montre cette vidéo à chaque fois. Pourquoi? Là, par exemple, on a rajouté un petit peu d'eau. Donc, c'est l'air et l'eau. Vous voyez que c'est difficile pour le laser de couper. Ça nous permet d'être convaincus que la biophysique est la base, elle est vraiment la base.
Othman, on ne t'entend plus. Il n'y a plus de son. Excuse me, Dr. Bashir. Do you hear me? Ça y est, on t'entend, mais ça a coupé pendant un petit moment. Hein. Pardon? Ça a coupé pendant une minute et demie. Là, hein. J'étais en ligne, de toute façon. D'accord, mais on ne t'entendait plus. Hein. Peut-être c'est ça ce qui m'intrigue, peut-être qu'il y a un problème de plateforme. Ben, c'est possible. Hein. Non, c'est fort probable, parce que soit c'est la plateforme, soit c'est pas possible. Il n'y a que la plateforme qui peut faire ces problèmes techniques. D'accord. Okay, now we can hear you. Maybe we can continue, Dr. Bashir, if you want. Perfect. Yes. Donc, je parlais des fondamentaux des lasers. Donc, sans parler de lumière, on ne peut pas parler de fondamentaux de laser. Là, vous avez à droite la lumière d'une ampoule normale. Au milieu, vous avez la lumière d'un laser. Et là, je peux vous dire tout de suite laquelle, c'est la 635. Et après, vous avez d'autres lumières, que ce soit de la Lune ou d'autres. Donc, ou du soleil ou autre. Donc, sans la lumière, on ne peut pas comprendre les fondamentaux du laser. Next, please. Donc, la lumière est définie comme une onde. Donc, c'est une onde. Donc, la définition physique de la lumière, c'est l'onde. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on parle de lumière quand on parle de biophysique ou de physique quantique. Cette lumière-là, ou cette onde-là, elle a des propriétés physiques qui vont être caractéristiques à cette longueur d'onde ou à cette lumière-là. Next, please. On ne peut pas parler de lumière si on ne parle pas du spectre électromagnétique. Le spectre électromagnétique, c'est toutes les longueurs d'onde qu'on a sur Terre ou dans notre existence. Si vous voyez un petit peu cette slide-là, vous allez avoir à droite complètement des rayons dont vous êtes habitué ou des longueurs d'onde, c'est les rayons de télévision ou de radio. Donc, quand on parle de radio, par exemple, vous êtes connecté sur 98.4, 95.6 et tout ça. C'est des longueurs d'onde. Donc, ces longueurs d'onde-là, ils ont leur place dans le spectre électromagnétique. La télévision, la même chose. Non, en médecine, nous en médecine, on les situe entre l'ultraviolet et l'infrarouge. C'est ce que vous voyez ici, au milieu. Donc, c'est là où on se situe. À peu près à gauche, vous avez tout ce qui est rayon X, rayon gamma. Donc, ces rayons X et rayons gamma, surtout les rayons X, on en utilise chaque jour avec nos panoramiques, nos combim et nos RVG. Et donc, vous voyez, là, on se situe. On se situe dans un petit espace qui est entre l'ultraviolet et l'infrarouge, mais qui est très, très important et très important à détail. Next, please. Parfait. Donc, si on prend l'ultraviolet et l'infrarouge, ce que vous voyez en haut, c'est l'ultraviolet. En bas, c'est l'infrarouge. Pardon. À peu près, on se situe entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Ou 810 nanomètres. Donc, dans cet espace-là, électromagnétique, on va trouver la majeure partie des longueurs d'onde des lasers diodes. Et vous avez plusieurs couleurs. Vous avez de l'ultraviolet, vous avez du violet, vous avez du bleu, vous avez du vert, du jaune, de l'orange et du rouge. Par exemple, si on parle de bleu, il y a des lasers qui sont bleus. Naturellement, c'est du bleu. Mais d'autres lasers, comme les lasers rouges et tout ça, vous ne les voyez pas réellement ce qui sort, même s'ils sortent rouges, mais vous ne les voyez pas en réalité. C'est la technologie ou c'est l'industrie qui nous a permis de les voir. Cette longueur d'onde, elle est généralement mesurée en nanomètre. Elle peut être mesurée en micromètre. Je vous laisse le choix. Un micromètre, ça fait à peu près 1000 nanomètres.
Quand on parle, par exemple, d'une longueur d'onde 980, généralement, on parle de 980. C'est 980 nanomètres. On parle de 635, c'est 635 nanomètres. On parle de la 405, c'est 405 nanomètres. Donc, c'est en nanomètres, donc l'unité de mesure, il est en nanomètres pour les longueurs d'onde. C'est des paramètres importants à comprendre. Et donc, ça vous permet, en quelque sorte, de vous situer rapidement. Donc, si vous avez ce schéma en tête, et un jour vous voulez acheter un laser, si vous n'avez pas encore acheté un laser, ça vous permet, ou ça va vous aiguiller, de vous situer dans une situation ici, entre l'ultraviolet et l'infrarouge, qui va vous permettre d'acheter la longueur d'onde qui est adaptée à votre pratique quotidienne ou à vos besoins. C'est-à-dire, ça dépend. Il y en a qui font que de la chirurgie, donc ils ont besoin d'une longueur d'onde spécifique. Il y en a qui font que de la biostimulation, donc ils ont besoin que d'un laser spécifique qui va faire que de la biostimulation. Donc, il y a d'autres qui font par exemple que le diagnostic. Il y a d'autres longueurs d'onde qui ne font que le diagnostic. Donc, c'est praticien dépendant. Donc, vous n'êtes pas obligé, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, en connaissant la biophysique, d'être esclave d'un discours commercial. Il faut être apte à choisir le laser qui est adapté à vos besoins et à votre pratique quotidienne. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le laser que le commercial vous a proposé. Next, please. Donc, comme je vous ai dit, les lasers se situent entre l'ultraviolet et l'infrarouge, donc de 400 à peu près à 800. Vous avez aussi des lasers, plusieurs lasers, que ce soit diodes, comme je vous ai dit, 405, 635, 660, des diodes à haute énergie 445, c'est un laser bleu, si vous vous rappelez. Il y a des lasers dentaires qui sont populaires, notamment la 980, la 940, maintenant la 970, la 810, qui sont des lasers diodes populaires qui sont très, très anciens, qui ont fait leur preuve sur le marché. Si on dépasse les 800 et on va vers les 1000, on va se retrouver avec une autre famille de lasers qui ne sont pas les lasers diodes. C'est les lasers NDIAG ou NDIAP, c'est à 1064 nanomètres. Et puis, on va se retrouver un peu plus, si on va vers 2780-2940, avec la famille Erbium. Et si on va vers l'infrarouge profond, on va se retrouver avec le fameux laser CO2 que vous connaissez peut-être tous, surtout pour les anciens d'entre nous, parce que le laser CO2 était parmi les premiers lasers qui étaient utilisés en dentisterie. Et donc, il se retrouve à peu près dans l'infrarouge profond, c'est 10 600 nanomètres. Donc, ces chiffres-là, ce spectre électromagnétique, vous donne à peu près toutes les familles de lasers qui sont utilisés en odontologie. Next, please. Next. I don't know, I'm trying, something is... Yes, I know it's a problem of platform, for sure. Parfait, merci. Thank you. You're welcome. Donc, pour comprendre le laser, il faut comprendre ses composants. Et là, je vous demande vivement de se concentrer avec moi sur ce schéma-là. Donc, ce schéma-là, il montre réellement ce qu'on appelle un résonateur ou comment il fonctionne un laser. Vous avez les deux petits rangs en gris, à droite et à gauche, c'est ce qu'on appelle des miroirs. À gauche, c'est un miroir qui réfléchit à 100%. Et à droite, on a un miroir qui réfléchit partiellement. Et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle en rouge, là, l'active médium ou le milieu actif. Ce milieu actif, il est très important à comprendre. C'est lui qui va contenir les atomes. Et dans les atomes, vous allez avoir cette activation photonique. Cet active médium ou le milieu actif, c'est lui qui va donner le nom du laser. Par exemple, on va dire, un exemple, si c'est un laser diode, vous allez trouver un schéma classique d'anode cathode entre les deux, à la diode ancienne. Ceux qui font un peu de bricolage, ils peuvent le comprendre facilement. Soit vous allez avoir ce milieu-là, un milieu qui est solide, comme les erbiums, ou un gaz, comme le CO2. Donc, c'est ce milieu-là qui va donner le nom. Et vous allez avoir une source de pompage externe, ce que vous voyez en bas.
Cette source de pompage externe, c'est l'électricité, c'est tout simplement l'électricité. Donc, quand vous branchez le laser, il va prendre l'électricité qui va venir. Cette électricité va vers l'active médium ou le milieu actif. Elle va activer les atomes et on aura une multiplication de photonique, je vais vous détailler tout ça, qui vont s'activer pour libérer de l'énergie. L'énergie, c'est ce que vous voyez en flèche, tout à fait à droite, en rouge, les trois flèches d'en haut en bas. Et ça, ces flèches-là, c'est votre énergie photonique ou énergie laser ou faisceau laser. Donc ça, c'est le schéma simplifié d'un générateur de rayonnement laser. C'est ce que vous allez trouver chez tout le monde. Donc, c'est le schéma le plus simplifié. Plus simple que ça, vous n'allez pas trouver. Donc, je répète, il y a un miroir réfléchissant à 100%. Il y a un autre miroir qui est semi-réfléchissant à droite. Entre les deux, vous avez votre milieu actif ou vos atomes. Et vous avez besoin d'une source de pompage électrique externe. Tout ça va fonctionner pour vous donner à droite un faisceau laser. Next, please. Voilà. Donc, selon le milieu actif, vous allez avoir un laser à gaz, CO2, liquide, les lasers solides. Donc, ça, c'est les trois familles de lasers qui existent en odontologie ou qui existent aujourd'hui sur le marché. Next, please. Là, schématiquement, c'est le laser diode, comment il est fabriqué. Anode, cathode, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas très sorcier. Et c'est ça ce qui va donner le nom au laser. Et c'est ça le milieu actif. Next, please. Quand on parle de laser, aux propriétés de la lumière du laser, il est très important de la comparer, par exemple, à la lumière du soleil. La lumière du soleil, par exemple, ou la lumière d'une ampoule de jour, ou l'ampoule que vous avez chez vous, des fois, quand on regarde le plafond, vous avez plusieurs couleurs qui confluent. Des fois, vous avez un petit peu de bleu, un petit peu de vert, un petit peu de jaune. Par contre, le laser n'a pas ça. Il a une seule lumière. Pourquoi? Parce que c'est une seule longueur d'onde. Et c'est ça ce qu'on appelle la cohérence. C'est-à-dire, il est cohérent. Et il a une seule couleur monochromatique. Et il a une seule direction, donc il est unidirectionnel. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs directions. Par contre, avec le soleil ou une ampoule du jour, vous avez plusieurs directions, vous avez plusieurs couleurs et vous n'avez pas de cohérence. Chaque couleur peut partir de son côté et donc il n'y a pas ce qu'on appelle un faisceau collimaté. Next, please. Voilà. Donc, vous voyez à gauche des ondes cohérentes de lumière et à droite des ondes lumineuses monochromatiques, c'est-à-dire qu'ils ont la même couleur. Par exemple, soit du violet, soit du bleu, soit du rouge, soit du jaune, soit de l'orange, soit du rouge. Donc c'est monochromatique, c'est la même couleur et c'est cohérent. Il n'y a pas beaucoup de dispersion. Next, please. Donc là, c'est la même chose. Donc, de base, les propriétés de la lumière laser et le faisceau directionnel. Donc, vous voyez par exemple l'ampoule classique que vous voyez, comparée à un laser, c'est différent. Donc, la lumière, par exemple, laser, elle passe dans l'œil à 20 cm seulement. Et seulement 25% va passer dans l'œil, contrairement à une lumière du jour qui va être en haut, par exemple, schématisé avec cette ampoule-là. Désolé, je ne vois pas la slide comme je veux. Je sais pas. Voilà. C'est bon. Donc, à 1 mètre, et on voit la pupille de l'œil, il y a 0,000, allez, à l'infini 1, qui passe. Donc, c'est complètement différent de la perception de la lumière avec l'œil de l'être humain. C'est différent comment on perçoit les choses, comment la lumière passe. Donc cette transmission de lumière, elle est complètement différente. Next, please. Pour les lasers, il y a différentes sorties.
Il y a des lasers qui ont des différentes sorties grâce à leur pièce à main. Et ça, on va le voir en détail quand on va faire de la chirurgie ou de la biostimulation. C'est là où ces schémas-là, où cette architecture, où cette géométrie des fibres est très importante. Soit vous avez des fibres optiques avec un seul point laser, soit vous avez des lentilles collimatées. Donc, les spots sont complètement différents. Donc, on n'a pas le même effet sur la structure cible, et c'est ça ce qu'on cherche. En chirurgie, on cherche des densités beaucoup plus importantes, beaucoup plus précises. En biostimulation, on cherche à traiter des surfaces beaucoup plus importantes, beaucoup plus grandes, et une transmission d'énergie qui est complètement différente. Donc, l'architecture de la pointe laser va vous donner ces effets thérapeutiques souhaités. Donc, c'est l'architecture qui va permettre au faisceau laser de sortir et comment il va être transmis ou comment il va être dispatché dans la structure cible. Next, please. Donc, les lasers vont fonctionner selon la densité de puissance. Donc, on va la détailler tout de suite. Donc, ils sont classés sans ça. Il y a des lasers de haute puissance, de basse puissance. Quand on parle de haute puissance, de basse puissance, la haute puissance est surtout utilisée dans tout ce qui est chirurgical. Les basses puissances, c'est surtout pour ce qui est biostimulation ou diagnostic. Donc, voilà les grandes différences. Donc, pour la chirurgie, il faut toujours tenir compte de la haute puissance. On a besoin d'énergie, c'est logique. Donc, vous voulez couper. Et si vous voulez couper, il vous faut de l'énergie. Si vous voulez coaguler, il vous faut de l'énergie. Il vous faut beaucoup d'énergie. Et donc, si vous voulez biostimuler, c'est différent. Vous ne cherchez pas l'effet de coupe. Vous cherchez un potentiel régénérateur. Vous cherchez à régénérer, à calmer une douleur. Donc, vous ne cherchez pas à couper le tissu ou la structure cible. Next, please. Donc, à partir de maintenant, on va parler de quelques paramètres physiques qui sont très importants à considérer, très importants à comprendre. C'est la puissance, c'est l'énergie, c'est les modes de fonctionnement des lasers, la durée des impulsions, la fréquence, les cycles de fonctionnement. Ils sont très importants. Le premier paramètre, c'est le paramètre de la puissance. La puissance, elle est tout le temps calculée en watts. Des fois, on la calcule en milliwatts. C'est important aussi. Quand on parle de watts, c'est le standard. Milliwatts, c'est quand on veut des quantités infimes d'énergie pour la structure. Comme j'ai expliqué il y a quelques secondes, quand on a besoin de watts, c'est-à-dire qu'on a besoin d'énergie, on a besoin de puissance, c'est pour la chirurgie généralement. Et quand on parle de milliwatts, c'est pour des basses énergies, surtout pour la photodésinfection ou pour des thérapies de douleur ou LLT. Donc, 1 watt, c'est 1000 milliwatts pour comprendre un petit peu la conversion. Des fois, on est amené à faire la conversion pour comprendre un petit peu le rapport entre les deux et la différence entre les deux. Next, please. L'énergie, elle est en joules. Ça, vous le connaissez. Depuis le lycée, on sait très bien que ces paramètres-là ne vont pas changer. C'est ça l'avantage avec le fondamental. Le fondamental est une base exceptionnelle. Donc, on ne va pas changer ce qui a été déjà fait et enseigné. Donc, cette énergie-là, elle est calculée en joules. C'est une énergie lumineuse. Et donc, c'est une radiation de champ électromagnétique de densité spécifique, qui est la puissance, émise dans un temps qui est spécifique. Donc, vous allez avoir une quantité d'énergie en joules dans un moment spécifique. Next, please. On a plusieurs modes de laser. Et ça, c'est très important. Toutes les machines, presque, ont ces modes-là, presque. Donc, généralement, vous allez trouver des gens qui parlent de mode continu. Le mode continu, même sur les machines, on ne peut pas le traduire de l'anglais vers le français. C'est ce que vous trouvez en CW, c'est Continuous Wave. Généralement, les machines ont un pre-setting, c'est-à-dire ils ont été réglés bien avant leur sortie d'usine. Donc, pour chaque tact thérapeutique, ils vous font une proposition. Mais des fois, le praticien, il est amené à changer. Et donc, quand il est amené à changer, il doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire ces modes-là.
quand il est par exemple en mode continu, ce n'est pas comme le mode pulsé que vous voyez en haut. Le mode continu, par exemple, quand vous le voyez à gauche, c'est stable, c'est la même puissance dans le temps. L'autre mode pulsé ou superpulsé, vous allez avoir des pics, puis des temps de repos, puis des pics, puis des temps de repos, puis des pics, puis des temps de repos. Donc, c'est complètement différent par rapport au mode continu. Le mode continu, vous avez la même énergie dans le temps. Par contre, dans les autres modes, vous n'avez pas la même énergie dans le temps. Et ça, c'est très important à comprendre. Et ça, toutes les machines en possèdent. Mais des fois, comme je vous ai dit, le praticien est amené à changer le mode qu'il veut ou adapter à la situation clinique à laquelle il fait face. Donc, ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que si vous êtes en train de travailler en mode continu, et moi, j'en connais des gens, surtout en chirurgie, il faut savoir retenir compte du temps. Parce que vous avez dans le même temps la même quantité d'énergie qui est délivrée. Par contre, ceux qui travaillent en pulsé, ils n'ont pas la même quantité d'énergie délivrée par le temps. Ils ont quand même des moments de repos. Donc, c'est des cycles qui ne sont pas les mêmes en termes de temps et en termes d'énergie. Et ça, c'est très important à comprendre. Next, please. Je m'explique un petit peu. Donc, si par exemple, on prend un mode continu comme ça, ce mode continu-là, c'est ce qui est schématisé en rose. Par exemple, on a travaillé à les 200 microsecondes. De 0 à 200 microsecondes, j'ai eu 1 joule, mais j'ai eu la même puissance. Donc là, j'ai 5 milliwatts, mais j'ai 5 milliwatts à 0 microsecondes, à 50 microsecondes, à 100 microsecondes, à 150 microsecondes, à 200 microsecondes. Donc, toute l'énergie délivrée d'un joule a été stable en puissance tout au long de mon travail. Et là, c'est très important. C'est-à-dire que moi, je dois adapter mon gestuel ma chirurgie, quand je fais une phrénectomie ou une gingivectomie, au mode que j'ai choisi. Donc, si je suis en continu, je dois savoir que je suis en train de délivrer une puissance qui est stable. Et donc, il faut que le temps soit raccourci, soit que je fasse attention dans mon gestuel. Sinon, il y aura des conséquences cliniques dont on va parler tout à l'heure. Donc, comme j'ai dit, le 1 joule, on peut l'obtenir de plusieurs façons. Donc, l'énergie, c'est la puissance fois le temps. 1 joule, c'est 1 watt par 1 seconde. 1 joule, c'est 10 watts par 0,1 seconde. 1 joule, c'est 100 milliwatts fois 10 secondes, et ainsi de suite. Donc, là, vous pouvez le calculer comme vous voulez. C'est de la physique, c'est des calculs. Next, please. Voilà, ça, c'est très important à comprendre. Ça, c'est l'interface que vous allez avoir une fois que vous avez cette machine-là, pour ceux qui ont au moins le laser Lasotronix. Donc, là, par exemple, on est sur le mode hémostasis ou hémostase. L'hémostase, elle est très importante. C'est un mode qui est fréquemment utilisé en chirurgie. Il est utilisé chez les implantologues, et on peut en parler lors des applications cliniques. Donc là, on a une puissance de 3 watts. Et vous voyez le mode de travail. Vous avez le mode continu qui est CW. C'est le mode qui est préconisé par la firme. Donc, ce mode-là de continu, vous allez avoir 3 watts continu. C'est-à-dire que vous êtes à 3 watts et vous allez délivrer la même énergie pendant tout le temps que vous allez travailler, une fois que vous avez activé le laser. Donc, ça vous emmène à réfléchir à votre acte bien avant de l'entamer. Parce qu'une fois que vous avez appuyé sur le bouton et vous avez activé, vous avez commencé votre chirurgie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les actes laser, surtout chirurgicaux, ils sont irréversibles. Vous ne pouvez pas rattraper. Donc, tout va partir. Ce qui fait que vous êtes en train de délivrer de l'énergie. L'énergie va en profondeur. Donc, vous ne pouvez pas lui dire de revenir. Donc, c'est quasiment impossible. Et donc, quand vous travaillez avec des modes pareils et avec une puissance, par exemple, de 3 watts, il faut faire attention de respecter votre gestuel. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il faut comprendre. Mais si, par exemple, vous cliquez avec votre doigt sur juste la case qui est à côté de CW, c'est-à-dire le mode pulsé, là, vous allez changer. C'est-à-dire que vous allez avoir des pics, puis des rémissions, pics, rémissions, pics, rémissions. Mais vous
plus avoir la même efficacité de couple. C'est complètement différent. D'ailleurs, je les remercie d'avoir programmé d'office sur le mode continu. C'est un mode qui est exceptionnel, mais il faut bien le maîtriser. Next, please. Là, on va parler des modes pulsés dont on a parlé. Ces modes pulsés, c'est comme ce que vous voyez maintenant en rose. Vous avez des pics et des rémissions. Ce qu'il faut retenir physiquement pour vous faire les choses un peu plus faciles que ce que vous devriez comprendre en détail, c'est que vous avez des pointillés, un trait qui est en pointillé, si vous le voyez au milieu, qui est 5. Et vous avez 10 au milieu. Là, la puissance, c'est-à-dire la puissance crête, c'est le pic de la puissance. Quand on parle de puissance crête, c'est le maximum de puissance. Par exemple, si on parle ici de 10 milliwatts, 10 milliwatts, c'est la puissance la plus importante qui va atteindre le pulse une fois que l'énergie va sortir du laser. Puis vous avez la puissance moyenne, c'est-à-dire la puissance entre la puissance crête et les temps de rémission. Puis vous avez la durée du pulse, combien il va durer, l'intervalle, la fréquence et le cycle. Tout ça est paramétré dans la machine. C'est pour ça que dans cette interface-là, si on prend quelques secondes à lire, on va tout de suite comprendre ces paramètres physiques pour bien les utiliser, pour bien amener notre action, c'est-à-dire cette énergie photonique, dans ou sur la structure cible. Next, please. Alors, il y a plusieurs calculs. Vous allez me dire, ce n'est peut-être pas le but aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Non, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste s'appliquer. Au départ, ça devient une partie qui est ennuyeuse, mais à la fin, vous allez comprendre comme quoi c'est la partie la plus importante. Croyez-moi que ça, ce n'est pas de la perte de temps, mais c'est très, très important pour vous de les comprendre. Par exemple, là, il y a des formules importantes comme l'énergie d'impulsion, qui est la puissance fois le temps. Vous avez la puissance moyenne, qui est la puissance d'impulsion fois le temps d'impulsion. Vous avez la période, c'est le temps d'impulsion plus le temps d'intervalle, la fréquence qui est inversement proportionnelle au temps, et le cycle de fonctionnement, qui est le temps d'impulsion fois 100%, qui va vous donner cette idée sur le cycle de fonctionnement, ou duty cycle. Vous allez trouver sur l'écran DC. DC, c'est duty cycle, au cycle de fonctionnement. Donc, même la traduction sur les machines, elle est un peu difficile. Donc, c'est toujours DC. DC, c'est duty cycle, c'est le cycle de fonctionnement. Next, please. Donc, voilà. Par exemple, là, un mode de fonctionnement proposé. D'ailleurs, vous allez voir sur l'écran ou l'interface du laser, recommended therapies. Recommended, c'est-à-dire c'est les thérapies recommandées. C'est-à-dire c'est juste une proposition. Ils vous recommandent d'utiliser ce programme-là. À mon avis, il faut le suivre. C'est un programme qui est bien fait. Donc, c'est un programme qui est bien et qui, à mon avis, il est safe. Donc, vous pouvez l'utiliser en toute sécurité. Ce mode de fonctionnement proposé ici est le mode pulsé. Donc, vous voyez par rapport à la comparaison du mode de tout à l'heure, on est sur un mode pulsé. C'est-à-dire il y a des pics, il y a des rémissions, il y a des pics, il y a des rémissions. Il nous propose 4 watts. Donc, si vous voyez bien, c'est throwing. L'indication clinique, c'est throwing. Throwing, alors, pour ceux qui la connaissent ou pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais faire la traduction, ce n'est pas l'éviction gingivale. Il faut comprendre le mot anglais exactement. Throwing, c'est sécher les suintements du sulcus avant de prendre une empreinte de conjointe. C'est-à-dire que quand vous voulez prendre une empreinte, bien sûr qu'on met les coordonnées et tout ça, le petit coordonné, le grand coordonné et tout ça, mais on prend aussi la soufflette par défaut. Depuis qu'on a commencé, on la prend avant de mettre le light. Donc ici, si vous voulez mettre le light, vous faites ce qu'on appelle un throwing, où vous séchez les suintements, vous passez la fibre tout autour de votre sulcus, ça va sécher tout ce qui est suintement. À ce moment-là, vous allez injecter votre light qui va enregistrer d'une exactitude tout ce que vous avez là. Donc,
Ce throwing-là, il est programmé, il est déjà programmé et il est utilisé avec la 980. Donc, dans la 980, vous allez trouver ça. Next, please. Là, c'est un mode de chirurgie qu'il propose. C'est un mode à 0,5 watts. Ce n'est pas encore activé. Donc, ça vous donne une idée sur le temps de traitement et l'énergie délivrée. Donc, quand vous travaillez, vous activez avec le bouton qui devient orange. Ce bouton-là qui devient orange en bas, ce bouton-là, il est orange. Donc, automatiquement, quand on voit l'activer, la fibre, elle est activée. Là, ils ont proposé 0,5 watts. Mais une fois que le praticien va commencer à travailler, il va lui donner le temps de travail, qui est en orange aussi, qui est en haut à droite. Et en bas, vous avez l'énergie qui n'est pas encore délivrée. Donc, on n'a rien délivré, c'est 0 joules. Mais une fois que vous travaillez, vous faites vos chirurgies, ça vous donne une idée combien de joules vous avez envoyé sur la structure. Donc, tout ça est bien fait. C'est une interface qui est très, très bien faite chez la firme. Next, please. Donc, voilà pour un petit peu vous donner un aperçu sur tous les modes. Mode continu variable, mode continu variable aussi. Donc, c'est du pulsé, super pulsé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le mode continu, pour la puissance crête, c'est-à-dire la puissance maximale et la puissance moyenne, ils sont les mêmes. Vous avez 2 watts, 2 watts. Ça veut dire que quand vous travaillez, vous avez la même énergie, la même puissance d'énergie ou la même densité d'énergie. Dans les autres modes, la puissance crête et la puissance moyenne ne sont pas les mêmes. Quand, par exemple, dans ce cas-là, vous avez une pointe de puissance qui est de 2 watts, une puissance crête de 2 watts, et vous avez une puissance moyenne qui est de 0,4 watts. Donc, la moyenne, c'est 0,4 watts. Donc, imaginez que pour la même chose, si vous changez de mode, ce n'est plus la même puissance moyenne. Et c'est pour cette raison-là que je vous dis, faites très attention quand vous voyez votre écran, sur quel mode vous êtes. Mais ça, ce n'est pas sorcier. Donc, ça vous demande juste d'être beaucoup plus vigilant à votre acte et comment aiguiller votre fibre et comment faire votre gestuelle. Next, please. Donc les changements de ces paramètres-là, si on le voit ici, ils changent avec la longueur d'impulsion. Donc, comme vous voyez, vous avez 0,5 joules par 1000 millisecondes, ça vous donne 0,5 watts. Si, par exemple, vous avez un pulse qui est beaucoup plus important, regardez ici, donc vous avez 5 watts de pointe de puissance. Donc, c'est la pointe ou la fibre qui va vous changer. Plus la pointe est fine, plus vous avez une énergie délivrée qui est très importante. Donc, l'énergie par impulsion, elle est très, très importante. Et surtout, si vous avez des pulses très rapprochés, très, très rapprochés comme ici, et fins, et vous allez avoir des pointes de puissance qui est très importante. C'est pour ça qu'il y a des gens qui parlent de mode superpulsé. Il y a le pulsé, il y a le superpulsé. Le superpulsé, c'est-à-dire, c'est ça, vous avez des maximums ou des pics d'énergie qui, dans un moment, en millisecondes, qui est très important. Il y en a qui aiment ça. Et après, vous avez des moments de repos. Donc, moi, c'est un mode qui ne me fascine absolument pas. Je ne l'ai jamais utilisé pour être honnête avec vous. Je ne vois pas l'utilité. Je préfère être dans des modes beaucoup plus communs, beaucoup plus commodes à notre pratique quotidienne, qui sont le mode continu et discontinu, qui sont très stables, qui donnent de bons résultats cliniques. Next, please. Voilà, à peu près. Qu'est-ce que ça donne? Donc, la largeur du pulse et les pics, ça résume ce qu'on vient de dire. Donc, c'est très important. Donc, soit vous êtes dans des pics de 10 watts, soit vous êtes en continu, vous avez une stabilité de 2 watts, ou un mode discontinu avec une puissance moyenne de 1 watt. Moi, je préconise les deux derniers modes que des modes surpulsés ou superpulsés, qui, à mon sens, ne vont ramener à rien, ils ne vous rajouteront rien du tout en termes chirurgical surtout. Next, please. Là,
c'est comment calquer ou pardon, comment calculer les densités d'énergie, surtout les doses d'énergie ou l'affluence. L'affluence, c'est quoi? L'affluence ou la densité d'énergie, c'est la quantité d'énergie que vous allez donner dans une surface précise ou une zone précise. C'est très important à savoir. Cette fluence-là, c'est un mot physique, c'est-à-dire que vous faites sortir de l'énergie dans un endroit précis, combien vous donnez d'énergie par rapport à la surface. Ça, c'est très important à calculer, surtout quand on fait de la biomodulation, quand on fait de la thérapie de douleur, c'est très important. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Par exemple, quand vous traitez un post-op d'une dense sagesse inférieure ou vous avez des problèmes ou des paresthésies du nerf alvéolaire inférieur, ben le nerf alvéolaire inférieur, c'est depuis sa sortie de la 8 jusqu'à, par exemple, la 4 ou la 3. Donc, vous avez tout l'émiement des bulles d'un côté qui a irradié. Donc, il vous faut une pièce à main qui va vous délivrer le maximum d'énergie et vous allez avoir le maximum de surface traitée pour envoyer cette énergie. Et donc, il y a plusieurs pièces à main sur le marché. Sur ce laser-là, vous avez 3. Mais pour les autres qui ont d'autres lasers, ils sont obligés d'adapter ça ou d'acheter d'autres pièces à main pour adapter cette sortie d'énergie par rapport à la surface. Donc, les choses sont claires. Pourquoi? Parce que moi, j'entends parler, quand je parle surtout avec les praticiens, ils me disent, mais moi, je fais de la biostimulation ou la thérapie de douleur, ça ne marche pas. Mais quand on leur demande comment ça fonctionne, ben, ils vous disent, moi, j'utilise que la pièce à main classique qui est délivrée avec mon laser. Mais c'est vrai, oui, ça marche, mais ça marche pour une petite tempe, une petite surface. Mais si vous avez un problème en posture d'une dent, d'une chirurgie d'une dent incluse, du bas, ça ne fera rien du tout. Ça ne fera absolument rien du tout. Et si, par exemple, pour ceux qui font de l'implantologie, ils ont fait 4, 5, 6 implants, vous avez une grande surface à biostimuler. Donc, une petite pièce à main ne servira à rien. Il vous faut une grande pièce à main. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que le calcul sera totalement faux. Vous allez délivrer de l'énergie, certes, mais vous avez délivré de l'énergie qui ne va servir à rien. Elle va servir qu'à traiter une toute petite surface. Donc, le résultat estompé n'est pas le même. Donc, on peut être déçu et dire que cette technologie ne marche pas. Non, la technologie, elle marche. C'est une preuve scientifique basée sur la biophysique. Mais pour que ça marche, il faut utiliser l'arsenal technique adéquat. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il faut faire ces calculs bien avant ou utiliser ce qui est proposé dans la machine. C'est très important parce que dans la machine, surtout pour ceux qui font de la biostimulation et surtout cette machine-là qui a eu, et c'est exceptionnel d'ailleurs, d'avoir la 635 qui permet de faire la biomodulation. Vous avez 3 pièces à main. Cette pièce à main vous permet d'être ou de traiter un large spectre. C'est-à-dire que vous pouvez aller de la simple petite dent jusqu'à l'hémiarcade. Et ça, c'est très important. Et on a des résultats qui sont exceptionnels. C'est ce qui est montré ici. Donc, par exemple, en temps, en densité, en énergie. Et donc, par exemple, une densité ici, un exemple, vous avez 1,5 joules qu'on a trouvé ici. Mais comment on l'a trouvé? On l'a trouvé parce qu'on a donné 3 joules à 0,5 cm carré. 0,5. Donc, il nous faut 1,5 joules pour traiter cette surface-là de 0,5 cm carré. Et vous pouvez extrapoler. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, c'est des choses qui sont très importantes. Voilà. Donc, next please. Yes, you are right. Donc, voilà dont j'ai parlé. Je parlais du posture ou la cicatrisation post-chirurgicale. La longueur d'onde, c'est très important de la voir. C'est la 635. Vous avez l'interface très facile à utiliser. Donc, vous partez sur 635. Vous avez cicatrisation post-chirurgicale. C'est traduit en français. Vous avez 100 milliwatts. Mais ce qui est important, c'est l'applicateur qui est en bas. Là, il propose un applicateur de 8 mm. Cet applicateur de 8 mm, c'est le diamètre de 8 mm que vous avez à l'extrémité ou le bout de cet applicateur-là. Il va vous permettre, il fait sortir 3 joules. Donc, c'est à vous de voir est-ce que les 8 mm sont par exemple suffisantes ou vous voulez traiter un peu plus. Il y a un autre applicateur que vous pouvez monter sur la machine et ça va vous changer un petit peu les calculs et vous pouvez avoir un autre spectre d'action ou une surface un peu plus large. Next, please. Là, c'est des paramètres
thérapeutiques essentielles, donc qui sont déjà prédéfinies, déjà sélectionnées, qui sont données en joules par centimètre, sont l'applicateur. Le temps change en fonction de la taille de la surface de travail, c'est ce que je vous ai dit. Vous pouvez choisir soit entre le 2 mm, le 8 mm ou le 14 mm. Généralement, le 2 mm, c'est pour une seule dent. Le 8 mm, ça va vous faire trois dents et demi. Le 14 mm, il est exceptionnel quand vous avez un alvéolaire inférieur à biostimuler après une chirurgie de dents sagesse inférieure. Au départ, esthésie d'un mentonnier, vous pouvez aller tout au long de l'alvéolaire inférieur du mentonnier vers la 8. Vous pouvez zigzaguer. Donc, vous pouvez avoir toute cette zone-là qui est bien traitée. Regardez par exemple l'applicateur en bas à droite. Vous avez l'applicateur de 2 mm. Puis, au milieu, vous avez celui de 8 mm qu'on vient de voir. Et en haut, la dernière, vous avez l'applicateur de 14 mm. 14 mm, c'est très, très bon. C'est excellent. Ça permet de traiter une surface un peu plus grande et c'est important. Donc, ergonomiquement parlant, vous avez tout pré-réglé physiquement. Donc, presque tout réglé. Il y a quelques détails. Ces détails-là, c'est praticien indépendant. Moi, ce que je vous conseille, c'est de garder toujours ce setting-là, ce pré-réglage-là. Il est bien fait. Il est très, très, très bien fait. Next, please. Donc, pour résumer, vous avez plusieurs définitions, plusieurs paramètres. Par exemple, la puissance, elle est toujours en watts. La densité de puissance, c'est les watts par centimètre carré. C'est ce que vous allez donner comme puissance par surface. Les longueurs d'onde, c'est toujours en nanomètres. Les durées de pulse, c'est toujours en secondes ou millisecondes. Les temps d'impulsion, la fréquence est en hertz. L'énergie en joules. La densité énergétique, c'est joules par centimètre carré. Et la taille du spot en micromètres. Toujours en micro. Pourquoi? Par exemple, le spot que vous voulez avoir avec une fibre 300 microns. Chez la Zotronix, vous avez deux types de fibres. Vous avez la fibre de 200, qui est essentiellement faite pour l'endodontie. On va en parler lorsqu'on va parler de tout ce qui est clinique. Et vous avez la 320 microns, qui est faite essentiellement pour la chirurgie. C'est, à mon avis, l'une des meilleures fibres. C'est la meilleure taille. Vous avez un spot qui est idéal pour faire vos chirurgies tranquillement. Next, please. L'interaction avec les tissus. Là, on rentre dans le vif du sujet. Vous allez me dire, depuis tout à l'heure, vous étiez en train de nous parler de tout ce qui est physique. Qu'est-ce qu'on va gagner avec ça? Ben, si vous voyez cette slide-là, les propriétés optiques d'un tissu ou les propriétés optiques d'un tissu en interagissant avec la lumière laser vont être différentes. Donc, la lumière laser va avoir quatre différentes interactions avec les structures cibles. Nous, on aura soit de la transmission, c'est ce que vous voyez à gauche, donc ça va être transmis, soit vous allez avoir de la réflexion, c'est-à-dire que le faisceau laser va venir vers la structure cible, il va être réfléchi, complètement réfléchi, c'est-à-dire qu'il ne va pas être absorbé par la matière. Soit vous allez avoir de la diffusion, donc ça va diffuser à l'intérieur, soit ça va être absorbé par la matière. Toute l'énergie va être absorbée par la matière. Et vous allez voir que ces effets-là vont avoir un rôle très important dans le résultat clinique et le résultat souhaité. Next, please. Voilà. Donc, à quoi servent ces interactions? Ce qui nous intéresse, nous, en tant que dentistes ou en odontologie, il y a deux structures. Il y a les tissus mous, il y a les tissus durs. Donc, par exemple, on va parler de réflexion. Réflexion, ça veut dire que le faisceau laser va venir, par exemple sur l'émail, et va être complètement réfléchi. Ou une transmission, c'est-à-dire que le faisceau laser va transpercer la dent, il va passer ou la gencive, ou l'os ou autre. Ou on va avoir une dispersion, c'est-à-dire que le faisceau laser va rentrer, il va être dispersé, et l'énergie photonique ou le faisceau laser va prendre d'autres directions qui sont les directions souhaitées. Ou quasiment, c'est l'absorption. L'absorption, par exemple, sur la gencive ici. Et c'est un effet qui est souhaitable, surtout en chirurgie. Donc, on veut que cette énergie soit absorbée pour donner l'interaction avec la structure pour avoir un résultat qui est souhaité. Next, please.
Pour comprendre ça, il faut comprendre aussi la courbe d'absorption selon les longueurs d'onde. Ces courbes d'absorption, elles sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que toutes les longueurs d'onde ne sont pas absorbées par la matière de la même manière. Comme vous avez vu tout à l'heure, on a parlé entre l'ultraviolet et l'infrarouge, à peu près entre 400 et 800. Et donc, entre 400 et 800, toutes les longueurs d'onde ne sont pas absorbées par les chromophores de la matière, qui constituent la matière chez nous, de la même manière. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il faut faire très attention et garder en tête ces schémas-là, parce que l'interaction avec la structure ne sera pas la même. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est les constituants de la matière. Quand on parle, par exemple, de tissu mou, on va parler de l'eau, on va parler de la mélanine, l'hémoglobine, oxyhémoglobine. Si on parle de tissu dur, c'est-à-dire les constituants de l'os, du ciment, de la dent, de l'émail, de la dentine, c'est essentiellement l'eau et l'hydroxyapatite. Donc, si on veut, par exemple, faire une chirurgie de gingivectomie ou phrénectomie, donc on va chercher une longueur d'onde qui est bien absorbée soit par la mélanine, soit par l'hémoglobine, et l'eau aussi. Si on veut faire une carie, on veut faire une chirurgie osseuse, on doit chercher une famille de lasers qui est bien absorbée par les hydroxyapatites et par l'eau. Donc vous voyez, dans le choix thérapeutique, la longueur d'onde s'impose par rapport à son degré d'absorption dans la matière. Next, please. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on va envoyer par exemple la lumière dans la structure, la distribution d'énergie à l'intérieur des tissus va être complètement différente. Si on veut des effets de surface, ou ce qu'on appelle les effets de surface, c'est les effets chirurgicaux. C'est ce que vous allez voir. C'est ce que vous pouvez voir. Si vous faites une phrénectomie, vous la voyez. Si vous faites une gingivectomie, vous la voyez. Mais si vous faites une thérapie de douleur ou une PDT, c'est-à-dire une désinfection, vous ne la voyez pas. C'est des traitements de profondeur. Donc, ce qui vous intéresse, vous, c'est où va aller cette énergie-là. Si on veut faire de la chirurgie, il faut que cette énergie-là reste en surface. C'est là où on veut qu'elle agisse. Mais si on veut faire de la biostimulation, par exemple, ou de la thérapie de la douleur, il faut que cette énergie-là aille plus en profondeur. C'est là où on veut qu'elle agisse. Mais on ne veut pas couper. On ne veut pas éliminer la structure. On veut la garder. Donc, le choix du spot, le choix du mode, le choix de la longueur de onde s'impose. Et d'où cette loi de Lambert-Weber qu'on va détailler tout de suite. Next, please. Donc, cette distribution d'énergie, comme je vous ai dit. Thank you. Donc, cette distribution d'énergie va être très importante. Pourquoi? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir où est-ce qu'elle va cette énergie-là, comment elle va interagir avec la structure. Là, par exemple, on voit un spot lumineux au milieu et vous avez trois effets qui vont confluer. C'est-à-dire que vous allez avoir de la carbonisation, une zone, petite zone de nécrose, et une zone d'œdème. Pourquoi? Parce que quand vous faites un acte, surtout un acte avec un bistouri photonique ici, comme la 980, vous avez plusieurs actes qui vont confluer et vous n'êtes pas maître de la situation. C'est-à-dire que vous êtes en train de couper, mais en même temps, vous avez de la carbonisation. Vous avez quelque chose qui s'est volatilisé. Parce que quand vous faites une gingivectomie, une phrénectomie, il y a les structures qui disparaissent. Donc, ça se volatilise. Il y a une déshydratation complète. Puis, vous avez de la carbonisation. Pour ceux qui utilisent déjà les lasers, c'est ce que vous voyez noirâtre après la chirurgie, qu'on peut éliminer avec une compresse, un bidé ou autre. Et vous avez quelques petites zones de nécrose que vous ne voyez pas. Et vous avez un petit œdème qui s'installe aussi. Donc, ces actes-là ou ces effets avec la matière, ils confluent de la même manière, mais le chirurgien ne peut pas les contrôler. Donc, ça, c'est des effets qui sont immédiats, qui se produisent juste après la transmission de l'énergie. Next, please. Donc là, on va parler plus de fluence et parler de ce que vous m'avez dit. C'est quoi? Ce qu'on a dit, c'est qu'au même moment, dans un laps de temps, on peut avoir plusieurs effets. Et ces effets biologiques, ils vont dépendre bien sûr du temps, de la puissance. Ils vont dépendre aussi des familles des diodes. Quand vous voyez ici,
à gauche, en haut, vous avez des effets de fragmentation, ablation, coagulation et autres. Ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup plus d'énergie dans un temps réduit. Si on diminue le temps et on utilise des basses énergies ou des lasers à basse énergie, comme la 635, on est plus dans la LLT, c'est-à-dire là où les thérapies ou des effets de cicatrisation, de healing, ou de désinfection, parce qu'on n'a pas besoin de couper. Donc, on a besoin de quelques millijoules pour avoir cet effet souhaité. Donc, plus la puissance augmente et le temps est réduit, plus on est plus dans ce qui est ablatif, plus on diminue l'énergie et on prend notre temps, c'est-à-dire ça requiert du temps, plus on va en profondeur et le résultat souhaité, c'est un potentiel réparateur ou une photodésinfection ou ce qu'on appelle les effets photochimiques. Donc, il y a une grande différence entre les deux effets. Voilà, pour résumer ça, merci. Donc, vous avez ce qu'on appelle la photoablation, c'est ce qu'on a détaillé, beaucoup d'énergie dans le temps. Vous avez des effets photothermiques avec d'autres lasers et vous avez les effets photochimiques à basse énergie, surtout avec les lasers diode et surtout avec la 635. Next, please. Donc, pour résumer un petit peu, on a deux grandes familles de lasers. Il y a des lasers chirurgicaux et des lasers non chirurgicaux. J'aime pas le mot, surtout francophone, je m'excuse au passage, laser froid, laser chaud ou autre chose, chacun comment il l'appelle. Non, on parle chirurgical et non chirurgical. Les chirurgicaux, c'est les diodes 980 et autres. Les non chirurgicaux, c'est des basses énergies comme la 635 ou de diagnostic comme la 405. Next, please. Next. Next, please. Je pense qu'il y a aussi un problème pour passer les slides. Next. Something is wrong, Dr. Bashir. I don't know why I cannot. Yes. Yeah. I am sure that this is the platform. This is not you, this is not me. Okay, let's start from here. Yes. Maybe. Can you see now? Voilà. Yeah. Thank you. Donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure, on a parlé de l'interface. Je vais le traduire en français. Normalement, il devait être en français. Je m'excuse pour les purs francophones. Donc, ça, c'est les traitements recommandés. Ça, c'est très important. Je vais le détailler un tout petit peu juste pour vous aider à choisir votre méthodologie de travail. Donc, vous avez à droite tout ce qui est 980. D'ailleurs, c'est écrit 980. Dans la 980, vous avez la microchirurgie, la paro, la thérapie de douleur, l'endodontie et le blanchiment. Donc, libre à vous. Pour moi, je la garde essentiellement pour la chirurgie. Pourquoi ? Parce que j'adore l'appeler bisturi photonique. C'est la vraie lame photonique. La 980, pour moi, c'est l'une des meilleures, si ce n'est pas la meilleure indication pour la chirurgie. C'est la meilleure onde pour la chirurgie. Puis vous avez la 635 qui est aussi magnifique. La 635, elle n'est pas faite pour la chirurgie. Donc, on n'a pas d'effet de coupe. On a deux indications majeures. On a la biomodulation, c'est tout ce qui est potentiel régénérateur, tout ce qui est thérapie de douleur. Et vous avez en bas PAD, photodynamique thérapie, c'est-à-dire cette photodynamique thérapie, elle va vous aider à désinfecter. Elle est essentiellement utilisée en endodontie et en parodontologie. Donc, vous avez 635 pour ça. Et vous avez à côté la dernière nouveauté, c'est la 405 pour ceux qui veulent diagnostiquer. On va aussi la détailler dans le dernier module. Elle est faite pour le diagnostic. C'est une onde qui est très intéressante. Après, vous avez toutes les options que vous pouvez faire. Mais moi, je vous demande d'utiliser essentiellement cette interface-là comme il est fait. Next, please. Là, c'est une loi qui est importante, c'est la loi d'Aaron-Schultz, qui parle surtout de la biomodulation. La biomodulation est très importante. Pourquoi elle est très importante? Parce que c'est un effet qui est non ablatif, mais qui requiert une certaine précision dans le gestuel,
surtout dans les doses envoyées par surface, et donc ça c'est très important, et comment l'utiliser, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, en échangeant beaucoup de discussions avec les praticiens, ils me disent que ça ne marche pas, mais quand on voit les paramétrages et l'outillage utilisé pour ça, on voit qu'il y a eu une erreur. Donc cette loi-là, si on la comprend un tout petit peu, c'est comment utiliser les dosages de biomodulation, les intervalles de temps, les quantités d'énergie et tout. Donc, ce qu'on cherche, c'est le meilleur effet thérapeutique. C'est ça ce qu'on cherche avec la biomodulation. Next, please. Next. Voilà. Par exemple, ici, si vous voyez en haut cette courbe-là, c'est-à-dire qu'on va stimuler ou biostimuler à des intervalles précis, mieux que de stimuler à des intervalles qui sont très courts et rapprochés pour donner la même dose, où ces effets vont confluer pour ne pas donner ce résultat escompté. Je m'explique. En haut, par exemple, on a fait lundi, on a biostimulé le patient. On va le convoquer jeudi, puis on peut le convoquer soit le samedi si vous travaillez, soit le lundi, et ainsi de suite. Donc les intervalles sont un petit peu éloignés pour donner justement un effet stimulant à la cellule et le temps de répondre. Mais si par exemple, vous allez réduire le temps et vous allez commencer par bonne attention, vous dire je veux avoir un résultat rapproché, donc je vais stimuler mon patient chaque 2 jours, c'est-à-dire vous le convoquez lundi, mercredi, vendredi, puis la semaine d'après, lundi, mercredi, vendredi, ben vous ne respectez pas la dose thérapeutique. C'est-à-dire que vous ne laissez pas le temps à la cellule de répondre correctement. C'est ça la loi d'Arndt Schultz. Donc, il faut donner le temps à la cellule ou à la matière de répondre. Ça ne sert à rien de s'acharner sur le patient en disant « je veux avoir le résultat rapidement, comme les trismus, comme la douleur et autres, rapidement. » Donc, il faut les espacer pour avoir une efficience dans la réponse. Next, please. Donc, les facteurs aussi à considérer, c'est, comme tout à l'heure je vous ai dit, c'est l'énergie qui est livrée par la pointe. Donc, il vous faut une énergie focalisée, une énergie qui est stable par point, qu'on va favoriser par rapport à, par exemple, ici, les schémas que vous voyez de l'autre côté. Donc, où vous voyez que cette confluence-là ne donne pas exactement le résultat qu'on veut parce que l'utilisation de la fibre ou du spot n'est pas bonne. Donc, il faut se focaliser sur la zone à traiter avec un spot qui est stable. Next, please. Next. Voilà. Ça veut dire quoi? Si vous avez un spot qui est... Non. Come back, please. You come back, what? Perfect. Donc, cette fibre-là, par exemple, ce que vous voyez en jaune, vous avez le même spot qui vient d'en haut en bas vers la surface. Donc, l'effet que vous allez avoir avec la matière est le même, même si vous rapprochez la fibre de la structure. Donc, la lumière laser qui va sortir, que ce soit rapproché ou un peu loin, va avoir la même chose. Et vous allez voir que si on a des fibres qui sont légèrement divergentes, next please, le résultat ne sera pas le même. Là, par exemple, à gauche, on est un petit peu en retrait par rapport à la matière, donc le faisceau est divergent. Et si on met la fibre au contact, voilà ce qu'on va avoir. Et si on fait une pression et contact, voilà ce qu'on va avoir. Donc, dans les radiations, il faut faire très attention. Donc, le contact et le pas contact est important. La divergence du faisceau est importante. C'est pour cette raison-là qu'il faut utiliser la machine avec des idées claires en termes de biophysique. Next, please.
Alors, on utilise généralement pour la chirurgie la fibre de 300 microns. Il y en a qui disent pourquoi je n'utilise pas celle de 600 microns ou autre. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est un effet étroit et profond, chirurgie par exemple. Donc, une petite taille de spot. Si on agrandit le spot, par exemple 600 microns, on la double, l'effet est large, mais il est peu profond. Donc, même si vous coupez, vous allez rester toujours en surface. Et alors que ici, dans ce cas-là, que vous voyez cette slide-là, les deux faisceaux ont la même puissance. Que ce soit 5 watts, 10 watts, 20 watts, 30 watts, c'est la même puissance, mais l'effet est complètement différent. Next, please. Donc, pour une puissance, par exemple, de 0,5 watts, si vous êtes à 200 microns, vous avez 1591. Imaginez que vous passez à 400, vous perdez plus que la moitié, 397. Et plus vous augmentez, par exemple, ici, si par exemple on prend un diamètre 1,15, vous êtes à 0,5. Et la différence entre une fibre de 400 microns et de 200 microns est de 4 fois. Donc, c'est exceptionnel. Donc, les fibres les plus utilisées, c'est la 200, maximum 400, ou 300. Là, vous avez la 200 et la 320 chez la Zotronix. Donc, la 320, elle est faite pour la chirurgie, et la 200, elle est faite pour l'endodontie. Next, please. Next. Là, j'attire votre attention sur quelque chose. Donc là, par exemple, vous avez une fibre de 400. Vous allez me dire, si on me pose la question, mais ça se voit, où est-ce qu'on a le maximum d'énergie? Est-ce que c'est à la sortie, là à gauche, ou c'est à la fin, où le spot est grand? Si on voit le tableau, là où le spot est grand, vous avez 12 watts par centimètre carré. Par contre, à la sortie, là, vous avez 274 watts par centimètre. Donc, la densité est complètement différente. Donc, si on est en chirurgie, on ne doit pas être trop loin, bien sûr, un millimètre, deux millimètres, on a un maximum d'énergie. Mais plus on s'éloigne, regardez ici, c'est divergent, vous avez moins de densité d'énergie ou de puissance d'énergie dans la zone. Donc, plus on est loin, plus l'énergie va diminuer. Next, please. Là, on va parler d'un chapitre, c'est le dernier, de la sécurité. Il y a pas mal de gens qui l'ignorent. Donc, la sécurité, elle est très importante, comme ce que vous voyez ici. Les deux gars, ils sont en train de peindre avec une échelle. Ils ne se sont pas mis en sécurité. Peut-être qu'il va tomber en bas. Cette sécurité-là, elle est très importante. Vous allez trouver dans toutes les machines ce petit sticker-là jaune. Ça veut dire que vous avez un laser entre les mains. Ça vous impose d'avoir une certaine connaissance sur ces moyens-là de protection. Pourquoi? Soit vous allez protéger vos yeux et ceux des patients et de ceux qui vous entourent, soit les dégâts vont être considérables. Il faut aussi commencer par former le personnel qui est avec vous. Il faut aussi rappeler, soit dans les portes, soit si vous avez une salle dédiée à ça, des panneaux de signalisation ou des stickers comme ça, le jeune, vous en trouvez, je pense, en gros gris ou autre, que vous pouvez mettre sur les portes. Ça rappelle toujours aux assistantes et même aux praticiens que c'est une salle qui va être dédiée au laser. Il y en a même qui mettent un verrouillage spécifique connecté à la machine. Et si aussi vous avez des boutons dans les machines, comme chez la Zotronix, un bouton orange ou rouge, que vous pouvez déconnecter en cas d'urgence. Next, please. C'est ce dont on a parlé il y a quelques secondes. Vous avez un bouton d'arrêt d'urgence du laser. Si, par exemple, vous êtes en train de travailler et vous avez un autre praticien qui travaille avec vous, qui rentre soudainement et vous voulez interrompre le faisceau, il suffit juste d'appuyer sur ce bouton-là et tout s'arrête. Soit aussi, vous pouvez enlever la clé USB. C'est une clé qui est derrière, qui est connectée tout le temps à la machine, que vous pouvez enlever et la machine va s'arrêter. Soit vous avez l'interrupteur au pied, sur la pédale que vous avez. Next, please.
Donc, ce qu'on a dit, pour se protéger, il y a plusieurs façons. Les étiquettes sur les portes, on le rappelle, ça c'est très important. Les lunettes de protection, là j'ouvre le bal. Les lunettes de protection ne sont pas les mêmes. Il faut recommander aux gens d'acheter les lunettes de protection de chez les fabricants, parce que lui seul connaît la qualité de fabrication. Il y a d'autres gens qui proposent, ou d'autres firmes qui proposent aux dentistes, notamment d'acheter des lunettes, en leur disant, en leur promettant que ces lunettes-là, pour une paire de lunettes, vous êtes protégé de plusieurs longueurs d'onde ou toutes les longueurs d'onde. C'est faux. C'est archi faux, ça ne marche pas. Donc, chaque lunette, elle a ses spécificités, elle peut vous protéger selon l'indication qu'il y a sur les lunettes. D'ailleurs, on va la voir. Il y a aussi un dispositif d'alarme si vous ouvrez la porte soudainement qui peut se déclencher. Et il y a aussi des gens qui connectent à la serrure. Une fois que, par exemple, vous êtes en train de travailler, s'il y a une autre personne tierce qui ouvre la porte du box là où vous travaillez, le laser va s'arrêter soudainement. Et ça, c'est très important. Next, please. Donc, pour vous rappeler, nous, en tant que dentistes, surtout avec ce laser-là, on est en classe 4. Cette classe-là, c'est la classe qui est dangereuse. Donc, il faut se protéger. Il faut des lunettes de protection. Donc, obligatoirement, avant de démarrer, avant d'activer, avant d'appuyer sur le bouton, cette étoile-là qui est en bas à gauche, il faut que tout le monde, que ce soit patient, collaborateur ou praticien, qu'ils soient munis de leurs lunettes. Obligatoire parce qu'on est en classe 4. Next, please. Pourquoi? Parce qu'il y a, il y a l'œil en jeu. C'est tout simplement ça. Donc, l'œil en jeu, vous avez toutes les longueurs d'onde, vous avez la cornée, vous avez la rétine, vous avez des effets réversibles, vous avez des effets irréversibles. Et seul Dieu sait, sans les yeux, vous ne pouvez plus travailler, notamment nous. Donc, à force de faire des chirurgies ou à force d'utiliser le laser, surtout ceux qui utilisent le laser énormément, ben, les conséquences sur les yeux sont très, très importantes. Et des fois, c'est irréversible. Vous ne pouvez pas réparer un œil. Ce n'est pas de la mécanique. Un œil, c'est physiologique, c'est biologique. On est né comme ça et on va mourir comme ça. Donc, les choses sont claires. Mais les effets de la lumière laser sur les yeux sont complètement différents. Pourquoi? Parce qu'on utilise un rayonnement qui est nocif et qui va faire une transmission très importante, qui va dépasser la cornée ou les lentilles vers la rétine et autres. Next, please. Comme ce que vous voyez, là, on voit un peu plus en profondeur, donc c'est absorbé par la cornée. Next, please. Là, on est presque, on ne voit pas que presque, on est à la rétine, et là, les conséquences sont dramatiques, c'est irréparable. Et donc, entre 400 et 1400 nanomètres, le concentré est sur la rétine. Donc, qu'on le veuille ou pas, le port des lunettes, il est obligatoire. Il n'est pas recommandé, il est obligatoire pour tout le monde. Next, please. Next. Next. Ça, c'est juste pour comparer par rapport à d'autres longueurs d'onde. Mais nous, comme je vous ai dit, entre l'ultraviolet et l'infrarouge, donc la rétine, c'est elle qui va encaisser le coup. Donc, ça ne sert à rien de ne pas se protéger. Next, please. Donc, sur les lunettes, vous allez trouver des étiquettes où c'est écrit OD et L. OD, c'est 3. Ça, OD, c'est surtout fait pour les anglo-saxons et les nord-américains. Donc, les Américains et les Canadiens. Ils travaillent avec OD, c'est des normes à eux. Le L, c'est plutôt fait pour nous, Européens et autres. Donc, mais dans les lunettes, vous allez trouver toutes ces écritures-là sont bien faites. Donc, vous ne vous souciez de rien. Parce que le laser, il est fait pour tout le monde. Next, please. Voilà les types de lunettes. Donc, c'est livré par la firme quand vous achetez le laser. Vous avez plusieurs lunettes. Vous avez les vertes. Vous avez les bleus. Donc, pour médecins, vous avez par exemple la 635, la 980. Et vous avez des lunettes de protection pour patients qui le protègent aussi bien de la 635 que la 980. Next, please. Voilà les écritures dont on a parlé. Quand vous voyez, par exemple, à gauche, vous avez de la 637 à 730 nanomètres. Et vous avez de 770 à 10 070.
Donc, entre 730 et 770, ce n'est pas protégé. Donc, si par malheur, vous voulez protéger un, vous voulez par exemple les prêter à un autre praticien qui a un autre laser avec des longueurs d'onde pareilles, ou vous avez acheté des longueurs pareilles, ces lunettes-là ne vont pas marcher. Donc, ce qui est clair, c'est ce qui est écrit, noir sur blanc. Donc, respectez s'il vous plaît les normes, respectez ce qu'il y a sur les lunettes. Là, avec la Zotronix, ils sont généreux, je pense qu'ils donnent plusieurs lunettes. Donc, c'est suffisant pour être quatre dans le même box. Next, please. Voilà pour les écritures, pardon. Vous avez de la chirurgie à gauche et la biomodulation ou biostimulation à droite. Next. Voilà, quand on porte les lunettes, est-ce qu'on voit, est-ce qu'on ne voit pas? Là, on peut tester ce que vous voulez. Next, please. La même chose pour la biomodulation. Là, par exemple, avec la verte, vous n'êtes pas protégé. La bleue, c'est fait pour la biomodulation, donc vous voyez le faisceau sortir. Next, please. Les lunettes, ils viennent comme ça, dans leur étui. Vous pouvez avoir un coordonné si vous voulez les fixer. Pour ceux qui veulent les fixer, vous pouvez les nettoyer. Next, please. Il faut les nettoyer avec des mousses ou autre, pas avec des sprays qu'on a pour les secondes, pour les surfaces et autres. Donc, sinon, vous allez les rayer et ils ne vont plus être efficaces. Donc, faites attention à ne pas les rayer et bien les ronger et les mettre dans les étuis et les réutiliser après. Next, please. Donc, pour résumer un petit peu cette biophysique ou ce chapitre de biophysique, il requiert une connaissance de la biophysique pour maîtriser le laser. Le choix des longueurs d'onde adaptées à votre pratique quotidienne. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la longueur d'onde que votre ami a achetée. Chacun il achète la longueur d'onde ou les longueurs d'onde adaptées à sa vie. Le respect des mesures de sécurité est très important. Très, très important. Le port des lunettes, surtout pour ne pas endommager vos yeux. Et je mets l'accent énormément sur la formation continue. Et je suis fier que cette firme-là met l'accent sur la formation continue. Et si vous avez la chance de vous former, faites-le. C'est une courbe d'apprentissage, ce n'est pas une honte. Tout le monde a un début. Donc, cette courbe d'apprentissage est toujours continuelle et c'est très bénéfique pour les praticiens. L'intégration de ces machines-là est très importante. Elle fait partie aujourd'hui d'un arsenal thérapeutique ou d'un plateau technique élevé. Et donc, les exigences thérapeutiques de nos patients nous imposent d'avoir un arsenal thérapeutique sophistiqué pour l'aisance thérapeutique et les résultats souhaités. Next, please. Donc, j'espère que je n'étais pas très ennuyeux avec cette partie-là. Tout ce que je vous souhaite, c'est de rester chez vous et de rester safe pour ceux qui sont confinés. On est à plein cœur avec vous. On a de la chance en Afrique, on n'est pas confiné, on est en liberté. Mais on est avec vous de tout cœur. Je vous remercie infiniment. Thank you. You can stop the... Thank you very much, Dr. Bashir. I will leave the presentation because maybe somebody can ask question, and I will ask Anceline to come back and help us with the questions. Perfect. Donc, merci beaucoup, Dr. Bashir. C'est très compliqué, c'est vrai, hein, de résumer toute la biophysique sur un seul cours. La complexité vient en fait dans la simplification très souvent, hein, parce que c'est tellement grand, il y a tellement de paramètres, il y a tellement de choses à prendre en compte que effectivement la formation continue, c'est absolument primordial. Alors je sais bien que c'est une partie qui est de prime abord, hein, qui peut être un petit peu ennuyeuse parce que c'est de la physique et c'est beaucoup d'équations, c'est beaucoup de concepts qui paraissent… Anceline, Excuse-moi, je vais t'interrompre une seconde. J'en ai pour 2 secondes et je reviens tout de suite. Vous restez en live, d'accord? Bien sûr. Mais tu peux prendre des questions, j'arrive. D'accord.
Voilà, donc ben, je vous invite à écrire vos questions dans le chat hein, si vous avez des questions sur, sur peut-être des composantes que le docteur Bachir a évoquées qui n'étaient pas claires ou quelque chose que vous ayez mal compris. Savoir que là, on va uniquement se concentrer sur les questions qui a trait à la biophysique. Hein, toutes les questions de l'ordre des protocoles cliniques, elles seront traitées en fait pour la prochaine présentation. Hein. Docteur Bérébi, donc la présentation en replay. Cette présentation donc sera disponible sous peu. Alors je vais voir avec Azotronix hein, s'ils peuvent me la mettre à disposition sous quelques jours. Si c'est pas possible et qu'ils souhaitent faire en fait hein, une compilation de la totalité des formations, vous l'aurez juste après le dernier module qui se va se dérouler donc le 11 décembre, donc quelques jours après quoi. Voilà. Sorry. Yes, Jay. Everything is okay, so no any questions? I'm waiting for. there are some questions. Dans cette présentation est pleine de protection, délivre toutes les longueurs. Oui, absolument, docteur. Les lunettes, elles sont fournies, bien sûr. Les lunettes adaptées sont fournies avec le laser. Hein. Ça, c'est absolument essentiel, hein, comme disait le docteur Bachir. Hein, il faut vraiment avoir des lunettes de qualité qui soient parfaitement adaptées à la longueur d'onde qu'on utilise. Donc, vous avez des longues, donc vous avez donc en fonction des modèles, hein, bien sûr. Hein, si vous avez le modèle avec deux longueurs d'onde, vous aurez une paire de longueurs d'onde pour le 980, une paire de lunettes pardon, pour la longueur d'onde 635 nanomètres, une paire de lunettes pour le patient. Si vous prenez le modèle avec les trois longueurs d'onde, vous aurez également une paire de lunettes pour la 405 nanomètres. Je suis de retour, c'est bon. Oui, de Dr Colombe, effectivement, on a eu quelques petits soucis de son, quelques petits soucis techniques. Je pense que ça a trait à la plateforme. Hein. Après, bon, ça peut arriver. Hein. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qui se déroulent sans doute en simultané. Donc, c'est peut-être aussi des fois compliqué pour eux de pouvoir tout gérer de manière optimale. Exactement, parce que je pense que Zoom, il veut profiter de l'occasion pour gagner un peu plus d'argent. Et donc, ils poussent les gens à passer sur des modes premium. Absolument. Donc, c'est sûr qu'ils font ça exprès. Absolument. Non, c'est un problème de plateforme, ça c'est clair. Oui, comme dit le docteur Bérébi, il faudra revoir cette présentation au calme pour comprendre les lois de la biophysique, et j'irai même un petit peu plus loin. Comme le docteur Bachir nous le disait, hein, on est vraiment dans une dynamique de formation continue. C'est essentiel de ne pas se contenter d'un seul cours, hein, c'est pas en one shot que vous allez tout comprendre, il y a beaucoup, beaucoup trop de concepts à intégrer, à appréhender. On ne peut pas avoir une image globale en une seule fois. Hein. C'est vraiment au fur et à mesure. C'est impossible. Voilà, c'est ça. C'est au fur et à mesure de notre apprentissage qu'on va élargir en fait notre vision de la chose et qu'on va beaucoup mieux comprendre les interactions, que ce soit au niveau des paramètres de la lumière, du champ électromagnétique, que ce soit au niveau des tissus cibles et que ce soit au niveau des interactions entre ces deux. Hein, puisque voilà, il y a notamment la loi de Schultz hein, que vous aviez évoqué, qui est très très importante, hein, tout comme en pharmacologie, hein, les petites doses induisent, les doses moyennes inhibent, les fortes doses tuent. On est exactement dans ce cas de figure avec la photothérapie et la laserthérapie. Le temps biologique également, hein, le temps biologique c'est quelque chose d'absolument primordial. Hein, la nature elle aime être aidée, mais elle n'aime pas être brusquée. Donc, il faut pouvoir l'aider, l'accompagner, mais le surdosage ne va absolument pas accélérer le traitement ou améliorer ses effets. Voilà.
Exactement. Quoi d'autre? Donc, comme je disais juste au début, c'est vrai qu'un cours sur la biophysique, c'est très dur quand même, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup d'équations. Mais il faut bien comprendre que tout ça, c'est absolument indispensable, dans le sens où on agit à l'échelle quantique, hein, on agit au niveau le plus basal possible, thérapeutique. Donc, on est vraiment sur le pont entre la physique classique, hein, à notre échelle ou à l'échelle cosmologique, et la mécanique quantique qui est l'infiniment petit. Donc là, on est sur une transmission d'informations et d'énergie. Voilà, c'est pour ça que ça a autant de potentiel thérapeutique. Je vais juste rejoindre ce que tu es en train de dire. C'est vrai que tu as fait le résumé autour de l'histoire. La biophysique, au bas mot, c'est une demi-journée. Au bas mot. Ah oui, au bas mot. Au bas mot. Au bas mot. Ouais, moi, alors imaginez qu'en 1h15, on fait le tour. Moi, je pense plutôt que c'est plusieurs petits modules parce que ça permet d'intégrer progressivement. Voilà. Exactement. Docteur Bérébi, oui, chez l'Azotronic, c'est donc les différents partenaires francophones, hein, nous faisons en sorte de vous apporter un support pédagogique constant parce que ce qu'on recherche en premier lieu, c'est que nos utilisateurs puissent utiliser leur laser dans les meilleures conditions, qu'ils en soient les meilleurs prescripteurs, hein, parce que c'est vous qui serez témoin par vos actes et par les résultats que vous obtiendrez de la qualité du système et de la technologie laser et de ses avantages. Donc oui, effectivement, hein, tous les ans, ben, notamment l'Azotronics organise, hein, une sorte de symposium, hein, international. Donc à cette occasion, nous avons un ensemble de conférences, de conférenciers du monde entier. Et après, ben là, on essaie de mettre en place effectivement des formations en ligne, hein, ce qui permet à tout le monde d'y avoir accès beaucoup plus facilement. Et dès que la situation pourra s'améliorer, on reprendra nos formations en présentiel avec pratique sur mâchoire animale pour avoir quelque chose d'un peu plus concret, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que ces moments difficiles compliquent un petit peu la tâche, comment véhiculer l'information. Ça, c'est très important. Absolument. Parce qu'en moins d'une année, on a presque tous changé nos habitudes, comment transmettre les connaissances. La biophysique, quand vous la faites en direct, il y a de l'interaction avec les praticiens en live, ce qui fait qu'on peut s'arrêter, on peut faire aussi des schémas, on peut céder des schémas. Parce que si vous voulez expliquer, parce que rien que la théorie de bord, ça prendra 20 minutes. Hein. Ouais, 20 minutes pour expliquer la théorie de bord, puis Arnold Schultz, puis les longueurs d'onde et leurs spécificités, les fréquences, les calculs. Et là, on est dans le basique. Oui, absolument. Après, l'émission stimulée, l'amplification et autres. Donc, absolument. Si on fait que ça, et puis on migre rapidement pour l'adapter à la machine qui est la machine laser, pour voir ça, c'est une demi-journée. Puis, il faut l'interaction tissulaire. L'interaction tissulaire est très importante parce que les gens font beaucoup d'amalgames avec les tissus cibles. Et comment adapter la biophysique? Et l'affluence, surtout l'affluence, quand on fait la synthèse des choses. Comme tu l'as dit, le trop tue. Mais faire très peu et trop peu et un grand concentré aussi, ça a ses effets négatifs. Aujourd'hui, je les comprends parce que c'est la partie la plus ennuyeuse, en quelque sorte, du domaine laser, on va dire. Mais croyez-moi, j'ai eu une anecdote que je vais leur raconter en live. C'est qu'un jour, il y a un qui faisait son master en laser, et quand il a fait les deux premiers cours, les deux premiers jours de laser, il a pris l'avion, il est revenu, il a quitté la fac. Et quand il s'est rendu compte, il est revenu pour faire la deuxième session. Aujourd'hui, il se trouve que c'est l'un des meilleurs laseristes au monde et qui passe son temps plus dans les avions et enseigne la biophysique aux gens. Parce qu'il a tout compris. Parce que quand on comprend la biophysique, on peut acheter le laser qu'on veut. Et là, c'est rare de trouver une firme qui met l'accent sur la formation, surtout de la biophysique. Toutes les firmes vont vous vendre ce qu'on appelle des recettes. Moi, si j'ai un conseil à passer aujourd'hui directement à ces gens-là qui nous écoutent, si vous voulez les recettes, ça ne sert à rien de se former. Il faut aller juste sur YouTube et vous allez les trouver. Il n'y a aucun problème.
et vous pouvez les utiliser. Mais croyez-moi, vous n'allez jamais comprendre. C'est des recettes qu'on va vous donner à chaque fois au compte-gouttes. Et des fois, il y a ces firmes-là, c'est des firmes connues et sont vicieuses. Elles sont vraiment vicieuses. Pourquoi? Parce que quand on n'apprend pas aux praticiens les dogmes du laser, ça ne sert à rien. C'est comme l'implantologie, comme la conjointe et autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il reste toujours tributaire de cette firme-là. Il ne peut pas migrer. Il ne peut pas utiliser d'autres longueurs d'onde. Par exemple, quand vous lui donnez la 980, il vous dit moi-même, j'ai la 980. Mais dès que vous parlez de la 635, il va vous dire pourquoi je vais utiliser la 635. Il ne sait même pas où est-ce qu'elle se situe dans le spectre électromagnétique. Donc, c'est là où se fait la différence entre les praticiens. Ça demande un petit peu de concentration, certes, mais la biophysique est très importante, surtout la physique quantique, adaptée à notre pratique quotidienne. C'est elle qui est adaptée. Et c'est prouvé. Et c'est prouvé. Absolument. C'est prouvé. Et on n'a plus rien à prouver, ni nous, ni les vendeurs, ni les dealers, ni rien du tout. C'est prouvé. Voilà, c'est ça le message que je peux vous leur passer. Mais les recettes, vous pouvez les trouver là où vous voulez. C'est vrai qu'au niveau de la biophysique, sur une première approche, ça peut être quelque chose qu'on considère ennuyeux, mais dès le moment où on a bien compris les différents paramètres et tout ce que ça implique, en fait, ça devient la partie la plus fascinante, en fait. Hein, voilà. Donc, je passe très brièvement, là, il y a quelques petites questions. Il y a Mourad qui nous demande s'il y a vraiment une différence notable en coupe, hein, à savoir entre le 940, le 980 et le 808 nanomètres. Ouais, c'est une question qui vient de chez Mourad. Ouais, c'est logique. Alors, ils vont me tuer. Oui, il y a une différence. Il y a une différence si je comprends la biophysique. Je vais être un peu bref dans la réflexion. Il va bientôt falloir qu'on termine en plus. Oui, je sais. Donc, la 810, elle est plus utilisée pour tout ce qui est dépigmentation parce qu'elle est très, très bien absorbée dans la mélanine. La 940, c'est l'oxyhémoglobine. Elle a un effet de coagulation un peu plus important que les deux autres. Et la 980, elle est la plus rapide et elle est très bien absorbée dans l'eau et dans la mélanine et dans l'hémoglobine. Donc, c'est pour ça qu'elle regroupe ces trois-là. Moi, si j'ai à choisir, je vais choisir automatiquement la 980 parce que c'est le vrai bistouri photonique qui existe sur le marché. C'est la plus rapide. Pour ceux qui veulent la spécificité, oui, on peut dire que la 808, 810, c'est la mélanine. Elle va être plus utilisée pour ceux qui font beaucoup de dépigmentation ou que de la dépigmentation. Mais il y en a rares qui font que ça. Et si vous voulez faire de la chire en global, c'est 980. C'est ça les différences, c'est mélanine, oxyhémoglobine et le reste. Donc, c'est les trois différences entre les deux. Donc, 940, c'est oxyhémoglobine. La mélanine, c'est la 810. C'est pour ça qu'elle est beaucoup utilisée chez ces gens-là et chez les endodontistes, parce que la mélanine, elle colore énormément les bactéries. Donc, les bactéries sont brunes, donc elle est très bien absorbée. Donc, voilà la différence entre les trois. Mais la 810, elle a un effet de coupe. Et d'ailleurs, quand vous voyez le diagramme d'absorption des différentes longueurs d'onde, il y a la courbe d'eau qui va commencer à monter vers la 810, puis on passe tout de suite vers les familles ND. Donc, elles s'approchent plus d'un effet de coupe ND. Donc, ils ne sont pas très loin. Ils sont pas très loin. Donc, si vous voyez la courbe, ils ne sont pas très loin. Donc, voilà, c'est ça si on veut parler physiquement. Mais si vous avez une 980, vous la gardez. Et donc, ça ne sert à rien d'en rajouter une 810. Au moins, si vous voulez faire plus de dépigmentation. Mais rien que pour ces deux-là, non. L'avantage qu'on a avec l'Azotronix, le grand avantage, parce que moi, j'avais un autre laser. Le grand avantage avec l'Azotronix, c'est que c'est évolutif. Donc, vous n'avez pas à changer de machine. Donc, il suffit juste de mettre la clé USB, de mettre à jour votre machine. Et ça ne court pas les rues. Donc, pour moi, au jour d'aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner à ces gens-là qui nous écoutent, c'est d'acheter un laser évolutif, pas une machine qui est statique. C'est comme si vous achetez un téléphone où vous ne pouvez pas faire l'update et un téléphone qui peut être mis à jour chaque mois ou chaque 2 mois, 3 mois et vous avez des applications en plus et vous n'avez pas à le changer. Donc,
Les firmes sont vicieuses quand même. Donc, acheter un laser qui est évolutif est facile à utiliser. L'azotronics en fait partie. Je lance pas des fleurs, mais je dis la vérité, en toute âme et conscience. Merci beaucoup docteur. Merci encore pour cette présentation qui était très difficile pour vous, hein, surtout vous ouais. n'aviez pas la main sur le, ouais. sur le PowerPoint, donc voilà, c'était d'autant est-ce plus que, complexe. Est-ce que, Anceline, est-ce que je peux partager avec ces gens-là? C'est juste le partage. Il y a un livre qui est très intéressant, qui est fait par un de mes maîtres. Alors très très vite, hein, parce qu'il faut très très vite. Un de mes maîtres, c'est le professeur René Frenzen, qui est allemand à Aix-la-Chapelle. C'est l'un des meilleurs physiciens que j'ai rencontré. C'est lui qui est mon maître, qui m'a appris la biophysique. Il a un petit livre qui s'appelle « Principles of Medical and Dental Lasers ». Je ne sais pas ce que vous voyez. Mais vous, mais à la limite, vous m'enverrez le voilà. Que moi, je partagerai avec tous les participants. Exactement. Il n'est pas cher. Voilà. Et il n'est pas cher en plus. Bon, mais il n'est pas cher. Il n'est pas cher. Et c'est magnifique. Alors, voilà, il n'est pas cher du tout. Il n'est pas cher. Voilà. Merci, merci à merci, tous. Merci, c'est moi. Et on vous donne rendez-vous donc pour le prochain module qui sera centré donc sur les applications sur cliniques. La clinique. Sur la voilà. clinique. Et ça, ça va intéresser beaucoup de monde parce que là, on va toucher le vif du sujet, notre quotidien. Absolument. Merci, merci. Je remercie tout le monde. Bonne journée, un bon week-end. Au revoir. Merci, au revoir. Thank you very much, everybody. Thank you very much, Dr. Otman Bashir. Thank you. Thank you very much, Anceline. Thanks to all our attendees. So I hope to see you next time. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.